وكما قال أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. Chapitre numéro 36. Faire des bonnes œuvres par intérêt matériel est une forme de politisme. باب من الشرك الأصل أنه من الشرك الأصغر. إرادة الإنسان بعمله أي بعمله الذي يراد به وجه الله، بعمله الدنيا كالمال والشهرة. مناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل. والفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله أي في الرياء أن المرائي لا يلتفت إلى تحصيل الدنيا، وإنما يريد مدح الناس ومكانة في قلوبهم. Donc l'auteur nous dit, fait partie du politisme le fait que la personne œuvre pour ce bas monde, c'est-à-dire qu'elle utilise les actions par lesquelles on se rapproche d'Allah pour obtenir des bienfaits de ce bas monde, comme l'argent, comme la renommée. Donc il utilise les adorations, pas pour se rapprocher d'Allah, mais pour obtenir une part de ce bas monde. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid afin de nous montrer que d'utiliser les actions avec lesquelles à la base on doit se rapprocher d'Allah pour obtenir une part de ce bas monde est une forme de polythéisme qui contredit la perfection du tawhid et qui annule l'action. Et la différence qu'il y a entre ce chapitre et le chapitre précédent est que dans le chapitre précédent, celui qui agit avec ostentation ne recherche pas argent, femme, enfant, la santé et ces choses de dunya, mais il recherche les éloges des gens. Il recherche à avoir une grande place dans le cœur des serviteurs d'Allah. Alors que dans ce chapitre, celui qui agit, il ne se soucie guère de la place qu'il aura dans le cœur des gens. Lui, il veut des richesses, il veut de l'argent, il veut des choses de ce bas monde. Il veut une grande place. Iradatul insan bi'amali dunya lahu ahwal. Le fait que l'homme agisse en voulant par cela ce bas monde pour avoir des jugements différents. Le premier cas, yaqsudu ad-dunya wa la yurid wajha Allah wa la ad-dar al-akhirah al-batta. Hadha 'amalu habit. Donc le premier cas, c'est la situation de l'homme qui agit à la recherche de ce bas monde. Ici, lorsqu'on parle des actions, on parle des actions par lesquelles on se rapproche d'Allah. Comme mémoriser le Coran, faire la prière, et ainsi de suite. Donc la personne vise ce bas monde avec ses actions. Elle ne recherche nullement l'agrément d'Allah ni son paradis. Quel est le jugement de son action? Son action est rejetée.
son action est rejetée, est annulée. وفي الحديث من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. رواه أحمد. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui agit en mettant en pratique les actions avec lesquelles on recherche l'au-delà, c'est-à-dire le paradis, cette personne aura dans l'au-delà aucune part. Cette personne n'aura aucune part dans l'au-delà. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre clairement que celui qui utilise les actions avec lesquelles on doit se rapprocher d'Allah pour obtenir une part de ce bas monde, dans l'au-delà il ne trouvera rien. Ni récompense, ni acceptation pour ses actions. Le deuxième cas, tashriku niyatayn ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya ma'an. Deuxièmement, c'est la personne qui unit entre les deux intentions. Il fait une action, il recherche l'agrément d'Allah, le paradis, et en même temps il recherche ce bas monde. Quel est le jugement de son action? Ikhtalafa al-ulama, les savants ont divergé dans cette question. Ala ta'ifa urudu niyyati ad-dunyawiyya bil 'amal as-salih mubtilun lil ajr wa ath-thawab. Certains savants disent: si celui qui fait cette bonne action a dans son cœur l'intention d'obtenir une chose de ce bas monde, son action sera alors annulée. Le premier avis est de dire que celui qui unit entre l'intention de dîn, l'agrément d'Allah, paradis, et de ce bas monde, rechercher quelque chose de ce bas monde, une richesse ou autre, son action sera rejetée. Et il n'aura pas de récompense. ولو كانت النية الدنيوية تتبع أو تابعة للنية الدينية. Au point où ils ont dit, même si son intention de base, c'est l'agrément d'Allah et l'au-delà, même si l'intention plus forte et ad-din, à partir du moment où il y a une intention de dunya qui vient dans son cœur, alors son action sera rejetée, il n'aura pas de récompense. وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى. Ça c'est l'avis d'Ibn Hazm. Au point il a dit fil muhalla que celui qui fait l'wudu et qui a mis aussi l'intention de se rafraîchir, ne pourra pas faire le wudu, ne pourra pas faire la salat avec ce wudu. Pourquoi? Car son wudu, selon Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, est batil, il est caduc. Et les preuves qu'ils ont avancées sont les preuves de l'obligation de la sincérité, l'ikhlas. قال آخرون, d'autres parmi les savants ont dit تشريك النياتين جائز لا يضر. Deuxième avis de dire que d'unir entre ces deux intentions, une intention de dîn et une intention de dunya, est permis. ولو كانت النية الأخروية غالبة على الدينية. Au point ils ont dit que son action sera acceptée même si l'intention la plus forte est la recherche de ce bas monde. C'est le deuxième avis. La bahilay al-qarafi. Daliluhum al-adillatu allati rakhasa fi qasdi amrin dunyawi ma'a al-amal salih. Les preuves qu'ont avancées ces savants sont les preuves qui nous permettent d'espérer et de rechercher une chose de dunya en faisant une bonne action. Par exemple, faire du commerce pendant le Hajj. Faire du commerce pendant le Hajj. Ceci est permis, pourtant le Hajj c'est une adoration. Alors ils ont utilisé ces preuves pour dire que c'est la preuve qu'on peut unir entre une intention de dîn et une intention de dunya. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. » Il reproche à vous si vous recherchez
des bienfaits ou des grâces de la part de votre Seigneur. Les savants ont dit que ce verset concerne le commerce pendant le Hajj. Un autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui espère qu'on lui allonge sa vie et qu'on repousse de lui la pauvreté, qu'il lie les liens de parenté. » Donc ça, c'est une action par laquelle tu te rapproches d'Allah. Pourtant, on nous montre des choses de dunya, la richesse et la longévité. Donc ils ont utilisé ces preuves pour dire qu'on peut unir entre une niya de dunya et une niya de din. Lorsque je dis niya de din, c'est-à-dire rechercher l'agrément d'Allah et espérer son paradis. Notre savant utilisé pour le même avis le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. » Ô vous les jeunes, celui qui a la capacité, qu'il se marie. « Fa'innahu aghaddu lil-basar wa ahsan al-farj. » وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ. Ô vous les jeunes, celui qui a la capacité de se marier, qu'il le fasse, et dans le cas contraire, qu'il jeûne. Cela l'aidera à baisser son regard, préserver son sexe, et celui qui n'en a pas la capacité, n'aime qu'il jeûne. Dans ce hadith, on voit qu'à travers le mariage, ils cherchent à se préserver. Donc ils ont dit qu'il y a deux intentions. Une intention de din, une intention de dunya. Mais cette explication, cette argumentation a été réfutée par d'autres savants en disant que l'i'fa, la chasteté, c'est une chose recherchée religieusement par nous. Donc ce hadith, on ne peut pas l'utiliser pour argumenter ainsi, car cette chose ne fait pas partie des choses de dunya de manière absolue, mais plutôt de din. Non. Le troisième avis, c'est l'avis de beaucoup de savants. Yunghar al-qasd fil qasd al-ghalib. On regarde l'intention qui prime. Wal-ba'if al-amal, et ce qui l'a poussé à agir. Est-ce que c'est la sincérité, la recherche de l'agrément d'Allah, le paradis, ou c'est la dunya? C'est l'avis de la plupart des savants. Donc s'il vise l'au-delà, et que c'est cette intention qui est la plus forte et celle de base, alors son action sera bonne. Dans le cas contraire, elle sera rejetée. قال الشيخ صالح السندي حفظه الله تعالى قال المحققون فيه تفصيل. Et ceux qui sont tombés le plus juste sur cette question, selon l'avis de certains savants, et de dire que ça dépend de l'action et de la situation. ما قصد من ضرورات العبادة أي هذا شيء واقع قصد لم يتقصد هذا لا يضر ولا يؤثر في الإخلاص وفي العمل الصالح. Donc l'avis le plus juste est de dire que ça dépend. Dans le cas où ce qui est recherché en plus de l'intention religieuse est une chose qui dans tous les cas sera atteinte. C'est-à-dire que tu vises cette chose de par ton intention ou non, quoi qu'il en soit, en faisant cette adoration, tu obtiendras cette chose. Si vous n'avez pas compris avec l'exemple, ça va être plus clair. توضأ رجل قصد رفع الحدث ومع ذلك التبرد التنظف. Un exemple, la personne qui fait le wudu, elle fait le wudu pour enlever son impureté, pour pouvoir faire salat. Ça c'est l'intention religieuse. En plus de cela, elle met l'intention de se rafraîchir ou de se nettoyer. Qu'elle mette cette intention ou pas, est-ce que la chose se réalisera? Quoi qu'il en soit, il va se rafraîchir, il va se nettoyer. Donc dans ce cas-là, les savants disent, son action est bonne. Son action est bonne. Ou à l'image de la personne qui jeûne, elle recherche à travers cela l'agrément d'Allah, mais aussi
à alléger son estomac, à soigner son estomac. Il n'y a pas de mal. Quoi qu'il en soit, cette chose se réalisera. Qu'il mette cette intention ou non. Deuxièmement, qasduma avinabi shara. Rechercher en plus donc de la sincérité de l'agrément d'Allah du paradis une chose dont nous avons la permission dans les textes de la rechercher. Donc il n'y a pas de mal dans ce cas-là également. Dans le cas où son intention de base et l'intention qui prime est l'au-delà, est l'agrément d'Allah. Par exemple, celui qui fait le Hajj, il veut mettre en pratique le pilier de l'islam, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est son intention de base. C'est l'intention qui prime. En plus de cela, il se dit qu'il va vendre des choses pendant le Hajj pour se faire de l'argent. Quel est le jugement de son action, de son Hajj? Son Hajj ne sera pas entaché par cette deuxième intention qui est venue et qui suit la première intention. Et qui n'est pas plus forte que la première intention. Comme le butin également dans le combat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui neutralise l'ennemi, son ennemi, lui appartiendra ce qu'il avait sur lui. Son arme, par exemple. Un autre exemple, c'est la turrahim, les liens de parenté, liés les liens de parenté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que ça repousse la pauvreté et ça allonge la vie. Donc celui qui lie les liens de parenté en signe de soumission devant l'ordre d'Allah, l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela il recherche à vivre longtemps, il recherche la richesse en mettant en pratique cette chose avec laquelle il se rapproche d'Allah azza wa jalla. Quel est le jugement? C'est permis car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité cela. Donc ça n'entache pas son action. Et la sagesse de citer ses récompenses et ses bienfaits de dunya, c'est pour encourager le serviteur à parfaire ses actions car il y a une difficulté. C'est dur de lier tout le temps les liens de parenté. Pourquoi? Car chacun a son caractère. Il se peut que le père fasse quelque chose à l'enfant. Il se peut que la mère fasse quelque chose à l'enfant. Ou l'oncle, ou le frère, ou la sœur. Donc on lui rappelle ici un bienfait afin qu'il reste endurant dans la mise en pratique de cette chose par laquelle il va se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sans oublier l'ikhlas, sans oublier la sincérité. Ça, c'était le deuxième cas. Donc le premier cas, c'était quoi? C'était celui qui recherche la dunya. Il ne recherche pas l'agrément d'Allah. Il ne recherche pas l'au-delà. Son action est bâtée, elle est rejetée, il n'a pas de récompense. Le deuxième cas, il unit entre les deux intentions. On a cité les différents avis des savants et que l'avis qui semble être le plus proche de la vérité est de dire que s'il vise une chose qu'il obtiendra en mettant cette intention ou non dans son adoration, quoi qu'il en soit, il l'obtiendra, c'est permis. Comme se rafraîchir en faisant l'eau d'eau, se nettoyer en faisant l'eau d'eau. Mais l'intention qui primera sera l'ikhlas et la recherche de l'agrément d'Allah. Ou il vise une chose dont nous avons la permission dans les textes Mada de la visée. Le troisième cas, al-qasd ad-dunyawi alladhi lam ya'zan bihi shar'a. Rechercher à travers cette adoration, à travers cette action, une chose de dunya, mais sans avoir de preuve dans les textes qu'on a le droit de rechercher cette chose dans cette adoration. Quel est le jugement de cette action? Hadha yu'athir fil 'amal wal ikhlas. Ça annule l'action du serviteur. Ça annule l'action du serviteur. Par exemple, Rajulun yatlubu l'ilm. Wa qasduhu al-husul
على المال أو يحفظ القرآن وقصده الحصول على سكن وهكذا. Donc, par exemple, quelqu'un qui étudie, qui recherche la science religieuse, son but, c'est par exemple d'être connu pour avoir des passes. Ou quelqu'un qui mémorise le Coran, son but, c'est de devenir imam, car il sait qu'on va lui donner par exemple un logement gratuit. D'accord ? Donc, apprendre le Coran, c'est une chose par laquelle on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lui, à travers cette chose-là, il recherche l'agrément d'Allah, mais aussi un appartement, parce qu'en étant imam dans tel pays, on donne un appartement. Cette intention, cette deuxième intention, va annuler son action. Elle ne sera pas acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le recueil de l'imam Ahmed, Siddi al-Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lisez le Coran, n'exagérez pas dans celui-ci, ni n'ayez de manquement. Wala ta'kulu bih, et ne mangez pas avec. Wala tastakthiru bih. Donc tu n'as pas le droit d'étudier, d'apprendre le Coran et ainsi de suite, pour un but de dunya. Pour un but de ad-dunya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également: man taqallada qawsan ala ta'lim al-Qur'an qalladahu Allah qawsan min narin yawm al-qiyamah. Dans d'autres textes, on voit que celui qui enseigne le Qur'an pour avoir de l'argent, Allah azza wa jal le châtiera par cette chose-là le jour du mois dernier. Et un hadith très explicite: man ta'allama 'ilman mimma yutara bihi wajhu Allah la yata'allamu illa yusli yusiba gharadan min ad-dunya lam yajid harfa al-jannah yawm al-qiyamah. Celui qui apprend une science avec laquelle on recherche le visage d'Allah. Et cette science, c'est une science religieuse. C'est une science à travers laquelle on se rapproche d'Allah. En recherchant à travers celle-là que une part de ce bas monde, il ne sentira pas, ou n'aura aucune part du paradis. Le jour du jugement dernier, ou ne sentira pas l'odeur du paradis. Wallahu musta'an. Le quatrième cas: idha akhadha al-insan ad-dunya wasilatan li tahsil al-akhirah. Le deuxième cas, c'est la personne qui cherche ad-dunya et qui s'en sert afin de préparer son au-delà. La personne qui cherche ad-dunya et qui l'utilise en tant que moyen pour améliorer son au-delà et construire son au-delà. C'est-à-dire qu'il prend la dunya, il prend de l'argent pour que ça l'aide à mieux adorer Allah. Hada jaiz. Ceci sans aucun doute est permis. Ibn Taymiyyah dit par exemple, une bonne chose est qu'il prenne l'argent pour faire le hajj. Mais il ne fait pas le hajj pour prendre de l'argent. Ça nous montre bien la différence. Il y en a qui prend de l'argent pour faire le hajj. Il utilise cette dunya pour construire son au-delà, pour adorer Allah Azza. Alors que l'autre, il utilise les actions de l'autre qui prépare l'au-delà pour obtenir des choses de ce bas monde. Le premier agit avec excellence, le deuxième a tout perdu. Donc la personne à qui on donne un poste, qui va lui prendre du temps, on va lui acheter son temps. Lui, quelle intention il devra mettre? Il prend cet argent, son intention est de se décharger dans ce qui va être profitable aux musulmans, comme l'apprentissage du Coran, comme l'enseignement, comme la da'wah, et ainsi de suite. Mais il ne doit pas mettre l'intention que c'est un travail, par exemple. Par exemple, un prof de Coran, il enseigne le Coran.
Est-ce qu'il a le droit de prendre ça comme un simple travail? C'est-à-dire, il vient, il enseigne aux gens le Coran, on lui donne, par exemple, 1500 euros, et il fait du commerce comme un autre travail dans un bureau. Là, parce que ta'alim le Coran, c'est une chose à travers laquelle on se rapproche d'Allah. Étudier le Coran, mémoriser le Coran, c'est une chose à travers laquelle on se rapproche d'Allah. Par contre, on lui dit, pour le temps qu'on te prend, et le fait que tu sois au service de la Oumma, on va te donner 1500 euros. Toi, tu vas enseigner à nos enfants, tu vas nous enseigner, tu vas enseigner à nos parents le Coran. Dans cela, il n'y a pas de mal. La différence entre les deux, c'est l'intention. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est l'intention. Un rentrera dans ce chapitre et le deuxième n'entrera pas dans ce chapitre. Et cette question a été posée à de nombreux savants. Ils disent que c'est fard kifaya, c'est une obligation collective aux gens de chaque endroit ou quartier ou ville d'avoir des tullab ilm, d'avoir des étudiants, de les financer afin qu'ils enseignent aux gens leur religion. Afin qu'ils enseignent aux gens leur religion. Si on se retrouve dans une ville où, par exemple, personne ne récite le Fatiha correctement, on est tous dans le péché. On est tous dans le péché. Certains d'entre nous doivent aller étudier, puis revenir et transmettre aux gens les ilm. C'est fard kifaya, c'est une obligation collective. C'est-à-dire qu'il faut un chiffre minimum par lequel cette obligation sera réalisée. Lorsque ce chiffre est atteint, le reste de la communauté se voit déchargé de cette obligation. Et dans le cas où aucun d'entre nous ne met en pratique cela, alors nous sommes tous dans le péché. Alors nous sommes tous dans le péché. Et chaque personne doit surveiller son intention parce que c'est une chose subtile. Il se peut que la personne ne soit pas sincère alors qu'elle pense l'être. Il se peut que la personne soit sincère un moment, puis que son intention tourne. Il se peut que dans une même journée, son intention soit bonne, puis mauvaise, puis bonne, puis mauvaise. On a sallallahu tabaraka wa ta'ala al-tawfiqa wa s-sadat wa s-sabat wa yadfa'a anna al-riya wa s-sum'a wa al-fitan. Donc ne fais pas de ta religion un gagne-pain. Mais gagne ton au-delà avec ta religion. Et utilise ad-dunya pour construire ton au-delà. Ton argent, mets-le au service de la religion. Ta dunya, ta santé, tes enfants, mets tout cela au service de la religion et tu trouveras que du bien, indallah, tabaraka wa ta'ala, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alors que celui qui prend le dîn pour construire sa dunya, tu vois qu'il n'arrive plus à parler au nom du dîn qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que il se peut que ses dirigeants lui disent, soit tu dis ça, soit on diminue ton amada, ce qu'on te donne. Ou bien dis ça dans le Jumu'ah. Alors que lui n'a pas cette croyance-là peut-être. Et il le dit parce qu'il a peur. Quand tu lui dis, il dit, mais sinon. Là, si tu n'es pas apte à propager la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaisse cette responsabilité et laisse-la à quelqu'un de compétent. Amma, que tu te fasses diriger en pensant à construire ton bas monde et tu délaisses l'au-delà, comme ulama as-su, comme les savants de l'égarement qui font des fatawa batila à la recherche d'une place fi dunya ou à la recherche de l'agrément des gens et ainsi de suite. Là, hada khatirun jiddan, ça c'est très très dangereux. Wallahu musta'an. Et pour conclure cela, tashriku niyatayn ad-diniyatayn, le fait d'unir entre deux intentions religieuses. Cela n'entre pas dans notre chapitre. Cela n'entre pas dans notre chapitre, c'est permis et c'est même l'excellence dans l'adoration. Tu entres dans une seule action et tu ressors avec plusieurs récompenses. Car tu as mis plusieurs intentions. Par exemple, l'homme sort de chez lui pour salatul asr, salatul jama'a à la mosquée. C'est son intention de base. Mais il se dit également, il met également comme intention le fait de préserver les gens de son mal. Il se dit également, comme ça je vais baisser le regard.
Donc il fait une action, il a trois intentions, il sera récompensé pour chacune de ses intentions. Naam. À la base, il vient pour faire salat. Mais il a mis l'intention de préserver les gens de son mal. Que ce soit avec sa voiture, avec ses mains, avec sa langue. Parce qu'il est au masjid. Bien qu'on soit à une époque où même au masjid, certains arrivent à nuire aux gens. Allah musta'an. Aussi, il va se préserver. Et ainsi de suite. Aussi, il va apprendre l'ilm. Donc, avec une action, il arrive à ressortir avec énormément de hasanat. Pourquoi ? Par rapport à son intention. Et ça, c'est une chose que seul Allah Azza wa Jal facilite à ceux qu'il a choisi. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité un verset dans ce chapitre. Wa qawlullahi ta'ala, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآيتين تتمة الآية أو الآيتين أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله لتخودي la traduction. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là qui n'auront rien dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils auront œuvré. من كان يريد الحياة الدنيا البقاء فيها وزينتها المال النساء البنين أمور الدنياوية نوفي إليهم أعمالهم فيها أي نعطيهم ثواب أعمالهم من الصحة والمال والأولاد والأفراح لأنهم قصدوا ذلك وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون أولئك الذين عملوا بعمل الآخرة لقصد الدنيا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار هذا حصر وحبط ما صنعوا أي زال وبطل ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Donc, celui qui, ou bien ceux qui veulent la vie présente, la dunya, qui veulent rester dans ce bas monde autant que possible, wazinataha, ainsi que sa parure, c'est-à-dire les richesses de ce bas monde, soit argent, femmes, enfants, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre. C'est-à-dire ils ont recherché la dunya, ils ont agi, ont utilisé les actions de l'au-delà pour obtenir de la dunya, ben on va leur donner la dunya. Ils ont voulu la dunya, ils vont l'avoir. La santé, femme, enfant, argent, la joie, les jeux, amusement, distraction. Donc ils recherchaient cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde. Sans que rien leur en soit diminué. Ils ne seront pas lésés. Ils ont recherché des choses, ils vont à Mada et ils vont les avoir. Ceux-là, ou bien voici ceux qui n'auront aucune part dans l'au-delà si ce n'est le feu. Pourquoi est-ce qu'ils vont trouver que An-Nar Yawm Al-Qiyamah? Parce qu'avec leurs actions, est-ce qu'ils ont recherché Al-Akhirah? Est-ce qu'ils ont construit leur au-delà? Non! Eux, ils cherchaient Dunya, ils ont eu la Dunya. Mais lorsqu'ils vont arriver Yawm Al-Qiyamah, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Donc, ils n'auront d'autre destination si ce n'est le feu. Et ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec. Et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Il n'y a pas l'ikhlas, il n'y a pas la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. هذه الآية نزلت في الكفار على قول بعض أهل العلم فمن شابههم
في فعل أعمال الآخرة لأجل الدنيا ففيه شيء من الشرك. Donc ce verset a été révélé et il concerne les kuffars, les mécréants, du fait qu'ils agissent que à la recherche de dunya. Ben, le musulman qui agit en ayant une ressemblance à ces gens-là, en utilisant les actions de l'au-delà pour avoir de la dunya, aura une part. Donc il aura ressemblé à ces gens-là, alors il aura une part du jugement. Il aura une part de shirk. Il aura une part de shirk. D'autres parmi les savants ont dit Nazalat fil Mura'im. Ce verset a été révélé et il concerne les gens de l'ostentation. Ceux qui agissent, en apparence, font de bonnes actions, mais en réalité, ils font cela pour recevoir les éloges des gens. Waqila fi man yurid ad-dunya bi'amali. D'autres parmi les savants ont dit ce verset concerne ceux qui recherchent la dunya à travers les actions qui sont censées être pieuses. D'autres ont dit ça englobe tout le monde. Le sens général de ce verset est que man kanat ad-dunya hamma wa qasada bi'amali salih ad-dunya wa lam yaltafit ila al-akhirah hadha jazaa'uhu. جزاؤه أن الله سبحانه وتعالى يعطيه في الدنيا ولا يجد شيئا في الآخرة إلا النار. Donc, dans ce verset, on nous montre que celui qui n'a d'autre but, si ce n'est ce bas-monde, et qui agit pour ce bas-monde, sans prêter attention à l'au-delà, au point d'utiliser les actions pieuses pour obtenir également de ce bas-monde, celui-ci n'aura aucune part dans l'au-delà. Celui-ci n'aura aucune part dans l'au-delà. Mais on va lui donner dans ce bas monde selon ce qu'il cherche. Et dans l'au-delà, il ne trouvera rien si ce n'est l'enfer. Munasabatul ayatayn al-ba. Hukmu man arada bi'amalihi ad-dunya. Hubutul 'amal wal khasaratu fil akhir. L'auteur a cité ces versets sous ce chapitre, car on voit le jugement des actions et la finalité de celui qui utilise les actions de l'au-delà pour avoir de ce bas monde. On annule ses actions et dans l'au-delà, il avance vers un feu et un châtiment douloureux. Mustafa ibn al-Aya, ce que nous pouvons tirer du verset, أن الشرك يحبط العمل. Le shirk annule les actions. Le shirk akbar annule toutes les actions. Le shirk asghar annule l'action dans laquelle il est entré. إرادة الدنيا وزينتها بالعمل محبطة للعمل. Le fait de rechercher ce bas monde ainsi que sa parure en faisant les actions de l'au-delà annule l'action. La personne ne trouve pas de récompense chez Allah. Allah ne l'accepte pas de lui. قَدْ يَجْزِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْكَافِرِ وَطَالِبَ الدُّنْيَا بِإِعْطَائِهِ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا. Allah Azza wa Jal, ce peu qu'il donne au kafir ou à celui qui recherche la dunya, ce qu'il a recherché dans ce bas-monde. Ce qu'il a recherché dans le bas-monde. Dans ce bas-monde. Al-hathu ala al-ikhlas wa iradati al-akhira bil-amal al-salih. Il y a un encouragement quant à la recherche de la sincérité. Ou quant à la sincérité dans la mise en pratique des actions pieuses. Et si on nous montre la finalité de ceux qui ne sont pas sincères. Pourquoi ? Pour nous encourager à faire le contraire, à être sincères. Il y a une grande mise en garde contre le fait de rechercher la dunya avec les actions pieuses. Tanbihun muhim, une remarque importante. Hadhihi al-aya min surati Hud
مقيدة أو مخصصة بآية سورة الإسراء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Sachez que ce verset, qui est dans Kitab al-Tawhid, le verset de Sourate Hud, est spécifié par le verset numéro 18 de Sourate al-Isra, le voyage nocturne. Donc ici, on nous a cité cette chose de manière générale. Mais dans Sourate al-Isra, on a cité cela de manière plus particulière. Dans Sourate Hud, on nous dit que celui qui recherche la dunya, Allah lui donnera ce qu'il recherche. C'est clair? Dans Sourate al-Isra, on nous dit « Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis, nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. » Qu'est-ce que vous remarquez dans Sourate al-Isra? Quel ajout y a-t-il? Non. À qui nous voulons. Ce que nous voulons, à qui nous voulons. Alors que dans Sourate Hud, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'Allah Azza wa Jal donnera à la personne ce qu'elle a cherché. Mais dans Sourate al-Isra, on nous enseigne que la personne qui recherchait dunya pourra avoir ce qu'elle a recherché ou ne pas l'avoir. Et cela revient à quoi? À la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il lui donnera de la dunya ce qu'il recherche. Et si Allah veut, ne lui donnera. Et la finalité sera la même. Donc, subhanallah, ذلك هو الخسران المبين. Ça, c'est la grande perte. Il prend les bonnes actions, les actions pour construire son paradis, avec lesquelles il recherche quoi? La dunya. Et au final, c'est même pas sûr qu'il aura ce qu'il recherchait de dunya. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'au-delà, il ne trouvera rien. Il n'aura aucune part. Il n'aura aucune destination, si ce n'est quoi? L'enfer. Donc ça, c'est la grande perte, subhanallah. Alors que celui qui est sincère, qui recherche Allah, subhanahu wa ta'ala, wa dar al-akhira, l'au-delà, et à construire son paradis, non seulement Allah, azza wa jal, l'aide à construire son paradis, lui accorde plus que ce qu'il recherchait, mais multiplie ses récompenses, mais en plus de cela, il lui donne des richesses inestimables dans ce bas monde. La tuma'nina, la tranquillité du cœur, l'élargissement de la poitrine, as-sa'ada, le bonheur, sihatul qalb, madha, la santé du cœur, as-surur, la joie, al-hayatu tayyiba, une bonne vie. Donc celui qui construit son au-delà, Allah Azza wa Jal préserve son au-delà ainsi que son bas monde. Et celui qui utilise l'au-delà pour construire son bas monde, Allah Azza wa Jal, s'il veut, lui donne de sa part dans ce bas monde et ne lui donne rien dans l'au-delà. Celui qui choisit la deuxième éventualité est vraiment un mauvais commerçant. Subhanallah. C'est plus du risque. Il est sûr qu'il va perdre dans l'au-delà. Et il n'est pas sûr d'avoir ce qu'il cherche dans ce bas monde. Allah bil ikhlas. As'Allah subhanahu wa ta'ala li wa lakum at-tawfiq. Puis l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a cité le hadith de Abi Hurayra. Wa fi sahih, ay fi sahih al-Bukhari. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشغث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. الله أكبر. حديث عظيم جدا.
وكأني أتذكر أثر هذا الحديث أمام أستاذنا الكريم أبي الخطاب حفظه الله تعالى حيثما كان وفقه وجزاه الله خيرا عنا وعنكم. Voici un hadith qui affecte le croyant et qui est une leçon de tawadu' et de ikhlas. Et en lisant ce hadith, c'est comme si je me suis souvenu des effets au moment où notre enseignant au Yémen, hafidhahullah ta'ala, a lu ce hadith, il nous a enseigné ce hadith. Jazahullah khayran, qu'Allah azza wa jalla l'élève dans ce bas monde et l'au-delà, et le récompense grandement pour nous avoir enseigné at-tawhid. Et il a, incha'Allah ta'ala, dans tous mes enseignements, une part de récompense. La même chose, incha'Allah ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le recueil des hadiths de l'imam al-Bukhari, selon Abu Huraira, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que soit damné, que perde l'esclave du dinar. Le dinar, c'est monnaie d'or. Que soit damné l'esclave du dirham. Le dirham, c'est la pièce, la monnaie d'argent. Que soit damné l'esclave de la khamisa. Que soit damné l'esclave de la khamila. Si on lui donne, il est satisfait. Sinon, il s'indigne, se révolte. Que soit damné et que tous ses projets se tournent contre lui au point de ne pouvoir extirper une épine plantée dans sa chair. Que soit béni le serviteur qui tient dans sa main la bride de son cheval pour combattre dans le chemin d'Allah. Les cheveux ébouriffés, les pieds couverts de poussière. S'il est désigné pour monter la garde, il obéit et remplit son devoir. S'il est désigné pour être dans l'arrière-garde, il s'y rend et remplit son devoir. Pourtant, s'il demande une permission, elle ne lui est pas accordée. Et s'il intercède en faveur d'une personne, son intercession est refusée. Étudions ce hadith. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite à en tirer les belles leçons. Du moins une partie. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ta'isa » Ay khaba wa khasir wa halak. C'est-à-dire qu'il perd, il ne réussit jamais. Qu'il soit malheureux. Donc soit c'est une information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne sur celui qui recherche la dunya et qui n'a d'autre but si ce n'est la dunya. Soit c'est ce qu'on appelle être du'a bilafdi al-khabar. Soit c'est en vrai, c'est une invocation, c'est une du'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait contre les gens de la dunya et les adorateurs de la dunya. Mais on cite cela de manière informative. Donc, Ta'isa, abdu dinar, on l'appelait le serviteur, l'esclave de la pièce d'or. L'esclave de la pièce d'argent. Pourquoi? De par son rapport avec la dunya. Tel le rapport du serviteur avec son seigneur. Tel le rapport du serviteur avec son seigneur. C'est comme si c'était son seul but. C'est comme s'il avait été créé que pour ça. Que à la recherche de cela. Tout comme nous les hommes, les créatures, nous avons été créés que à la recherche de l'agrément d'Allah. Que à la recherche... que pour concrétiser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'humilie pour elle. Il s'humilie à la recherche de la dunya. Tout comme le serviteur d'Allah azza wa jal s'humilie pour lui. Car c'est son but, avoir son agrément. Donc il est prêt à s'humilier, à poser son front par terre. Ben, l'esclave de la dunya, on l'a appelé esclave parce qu'il est prêt à tout faire pour avoir la dunya. Il s'humilie pour la dunya. Il désobéit pour la dunya. Il fait tout pour avoir la dunya. Wal'iyadu billah. عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة الخميصة ثوب أسود أو أحمر له أعلم الخميصة سي un vêtement noir ou bien rouge
où il y a des lignes. D'accord ? Où il y a des lignes. Vous voyez de quel vêtement est-ce que je parle ? Par exemple, les Marocains, par un moment, il y a un vêtement qu'ils portent, et il y a des lignes comme ça. Sahih ? On appelle ça le khamis. Maza ? Le khamis. D'accord ? Donc, c'est le vêtement, un beau vêtement, où il y a des lignes. Rayé. Naam ? Rayé. J'en perds mon français. Pas forcément qu'il y ait une capuche. Je ne parle pas forcément de ça, c'était juste pour vous parler de l'aspect. Naam Riy. Ta'isa Abdul Khamila. Donc pourquoi est-ce qu'on a celle Khamila? Parce que c'est un beau vêtement. Donc malheur à celui qui n'a d'autre but si ce n'est les beaux vêtements, si vous voulez. Ta'isa Abdul Khamila. El Khamila al Qatifa. Donc soit c'est un vêtement, comment est-ce qu'ils ont traduit s'ils n'ont pas traduit? Soit c'est un vêtement, d'accord, qu'on porte. Soit c'est une chose que l'on pose pour se mettre dessus, pour être à l'aise. Comme nous, à cette époque, on a certains tapis qu'on met pour être à l'aise dessus. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Il recherche l'or, il recherche l'argent, il recherche les beaux vêtements, il recherche à être, à prendre ses aises, à être à l'aise. Puis on nous cite une de ces caractéristiques qui fait que c'est un abd de la dunya, que c'est un esclave de la dunya. In u'tiya radi. Lorsqu'on lui donne, c'est-à-dire de la dunya, d'accord, qu'Allah Azza wa Jal lui donne directement, ou bien qu'Allah Azza wa Jal met une cause pour lui donner, radi, alors il se montre satisfait. Wa in lam yu'ta sakhit. Et si on lui refuse, si on ne lui donne pas, alors il se révolte, il s'indigne. Soit il s'indigne directement contre Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, soit il s'indigne contre la cause. Soit il s'indigne contre la cause. Ou bien contre le décret d'Allah Azza wa Jal. S'indigne contre Allah, wa l'iyadu billah, contre le décret d'Allah, ou contre les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de qui Allah Azza wa Jal a donné des richesses, ou à qui Allah Azza wa Jal a donné des richesses. Donc son cœur penche en fonction de la dunya qui vient et qui part. Naam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à nous décrire l'état malheureux de cette personne. Il nous dit Ta'isa wa antakas. Il invoque Allah azza wa jal contre lui, ou bien il nous informe de son état. C'est que tout ce qu'il entreprend ne réussira pas. Rien n'est ordonné dans sa vie. Tout ce qu'il entreprend, ça échoue. Et tout ce qu'il veut ne se réalise pas comme il l'aurait souhaité. وَإِذَا شِيكَ فَلَنْ تَقَشْ. Et si il est touché par une épine, si une épine Mada entre dans son pied ou autre part, falan tapash, qu'il ne réussisse pas à l'extirper, naam, avec yani, cet outil qui aurait pu lui permettre. En gros, s'il se retrouve dans un problème, qu'il ne réussisse jamais à s'en sortir. Ça, le sens général. S'il tombe dans un trou, qu'il n'en sorte jamais. S'il tombe dans un problème, qu'il ne s'en sorte pas. Qu'on ne lui fraye pas de chemin. Ay la yaqdiru ala intiqashiha. Ay akhdhuha bil manaqish. Et on pourrait résumer tout cela en disant ad-du'a bi adam at-tawfiq. C'est une dua contre lui ou bien l'information qu'il n'obtienne pas la réussite. Tout ce qu'il entreprend est voué à l'échec. Allah musta'an. Jusqu'ici dans le hadith, on nous parle de qui? De celui qui n'a d'autre but, si ce n'est quoi? Ad-dunya. Voici son état. C'est un esclave, il est humilié, il se rabaisse pour obtenir l'ad-dunya. Son rapport avec l'ad-dunya est semblable au rapport du serviteur avec son seigneur. Tout ce qu'il entreprendra est voué à l'échec. Il n'aura pas de baraka dans ses actions.
Et lorsqu'il tombe dans des problèmes, il ne s'en sort pas. Il ne trouve pas d'issue. Quel est le jugement de cela? Les koufars, pour eux, c'est l'échec akbar. Car c'est leur but. Ils ne préparent pas l'au-delà, n'espèrent pas la rencontre avec Allah Azza wa Jal. Eux, c'est du shirk akbar. Ils vivent pour cela, ils mangent pour cela, ils dorment pour cela. Leur dîn, c'est l'adoration de la dunya, de l'argent. Quel est le jugement du musulman qui fait cela? C'est-à-dire qui utilise les actions pieuses pour obtenir de la dunya, ou bien qui exagère dans la recherche de la dunya au point de délaisser de son au-delà. Le jugement, c'est que c'est du shirk asrar. C'est du shirk asrar. Il aura exagéré dans ce rapport avec l'argent, mais sans mettre cet argent au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce qu'ont fait les koufars. Et cela nous a été décrit concernant les munafiqoun dans le Coran. Lorsqu'on leur donne, ils sont satisfaits. Lorsqu'on ne leur donne pas, ils se mettent en colère. Et ils critiquent les musulmans dans leurs aumônes. Et le musulman qui donne peu, ils disent « Allah n'a pas besoin de cette aumône ». Et celui qui donne beaucoup, ils disent « Regardez, celui-ci agit par ostentation. » C'est ainsi que sont les hypocrites. Quoi que tu fasses, ils essayent de trouver une chose pour nuire aux croyants, à celui dont l'apparence est la sincérité. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt, Bayana hal al-mukhlis, nous a cité l'état de celui qui est sincère. L'état de celui qui a compris que cette dunya, c'est le champ de labour pour l'au-delà. La récolte se fait l'au-delà, dans l'au-delà. Celui qui a compris que la dunya, c'est qu'un lieu de passage, c'est un mamar, c'est un couloir, c'est un arbre auprès duquel tu te reposes, puis tu te relèves et tu pars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit pour l'adorateur de la dunya, ta'isa. Pour le sincère, il nous dit, touba. Touba, qila, shajaratun fil jannah, wa qila, qila shajaratun fil jannah, wa qila, al jannah. Wa qala ba'du ahli al-ilm, bal ma'anah a'am min dhalik. Untha atyab. Donc, touba, certains ont dit c'est l'arbre du paradis. D'autres ont dit c'est le paradis lui-même. Et d'autres ont dit c'est plus général que cela. C'est le féminin du superlatif atyab, les meilleures choses. Donc l'ensemble des meilleures choses pour qui? Li'abdin, pour un serviteur qui a pris, ou bien qui tient dans sa main la bride de son cheval. Akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah. Ashghatha ra'suhu mughbaratan qadamahu. Quel est son état? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les cheveux ébouriffés, décoiffés, poussiéreux et ainsi de suite. Les pieds couverts de poussière. Ça nous montre quoi? Le premier, on nous a dit quoi? À or, argent, ensuite vêtements. Et comment on va dire ça? Le fait qu'il soit à l'aise chez lui. L'aisance, le confort. Alors que pour celui-ci, on nous dit quoi? Les cheveux ébouriffés, les pieds remplis de poussière. Ça nous montre quoi? Il n'accorde aucune importance à la dunya. Il est tellement préoccupé par la construction de son au-delà qu'il ne fait pas partie des gens qui tous les jours se coiffent, se lavent les cheveux, porte des chaussettes, des chaussures, et ainsi de suite. Non. Ou s'occupe de nettoyer ses pieds, ou plutôt ses chaussettes, ses chaussures, ainsi de suite. Là. Haza mashghoul bi bina'i jannati. Cet homme-là est occupé par la construction de son palais au paradis, de ses palais, de ses demeures, de sa place, fil jannah. Il ne se soucie pas de sa belle apparence, mais il a un but. Et tant que ce but est dans l'obéissance d'Allah et lui permet de se rapprocher d'Allah, alors cela ne le dérange pas plus que ça.
ou ce qui est sûr, ça ne va pas le détourner de son but. C'est-à-dire s'occuper de sa propre personne, de son confort, et ainsi de suite. Touba li 'abdin akhadha bi 'inani farasi fi sabilillah ashghatha ra'suhu mughbaratan qadama ashghatha et mughbarra. On voit qu'il y a la fatha. لأن صفة لعبد مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. فحال هذا العبد الإقبال على الآخرة بخلاف من يغلو في الاهتمام بحسن مظهره. Cet homme est tellement préoccupé par la construction de son au-delà qu'il n'est pas connu dans la société. Il n'a pas de place dans la société, il ne recherche pas une place dans la société au point d'être connu auprès des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « In kana fis saqati kana fis saqa » ou plutôt avant ça « In kana fil hirasati kana fil hiras » وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ. S'il est désigné pour monter la garde, donc dans le combat, dans l'armée, s'il est désigné pour monter la garde, il obéit. Il se met à son poste. Donc monter la garde, est-ce que c'est un poste où on va être connu, où on va recevoir toutes les éloges à la fin de la guerre et de la victoire, où personne n'aura su que tu étais même au combat? Personne ne va parler de toi. Sahih ? Ici, on nous montre quoi ? Cet homme-là ne recherche pas à être connu. Cet homme-là ne recherche pas à être connu. Deuxièmement, quel que soit le poste, de par la sincérité qu'il a, il fait son travail à la perfection. Donc deux choses, il ne recherche pas à être connu. Et quand on lui donne un rôle, il préserve l'aman, le dépôt. Et remplit son rôle de la meilleure façon. Donc il ne se soucie pas du poste qu'il aura. Il se soucie de la amana, de la responsabilité et de restituer le dépôt. Il ne recherche pas une grande place, ni le recherche à être connu. En plus de cela, il fait son travail à la perfection. C'est ces deux points-là qu'il faut retenir. Wa in kana fis saqati kana fis saq. الساقه مؤخره ماذا مؤخره الجيش الساقه c'est à la ماذا en retrait à la fin, comment on va dire ça, l'arrière-garde, c'est ça, l'arrière-garde. Donc son seul but est l'agrément d'Allah où qu'il soit placé, monter la garde, en arrière-garde, alors que le meilleur poste, c'est être colonel et ce genre de poste, ou être devant pour recevoir les éloges et être connu de sa propre armée et aussi de l'ennemi. Alors que l'arrière-garde, qui est-ce qui va savoir qu'il était là? Peut-être que dans sa propre armée, dans son propre groupe, les gens de son propre pays ne sauront pas qu'il a fourni des efforts. Mais celui-ci ne cherche pas à être connu des esclaves d'Allah. Il cherche à être connu en bien chez Allah Azza wa Jal, car il sait que c'est vers lui que se fera son retour. Et il veut construire une place proche de lui. Tout comme Asiya, rahimahallah, imra'atu fir'aun, lorsqu'elle a fait du'a, alors qu'elle était opprimée par la compagnie de Fir'aun, le pire qui ait marché sur la terre. Pourtant, lorsqu'elle a fait du'a, elle a dit quoi? Rabbi bnili baytan indaka fil jannah. Elle a demandé une maison où? Indak, yani proche de toi fil jannah. Ça c'est le but de ceux qui ont concrétisé l'ikhlas, la sincérité. Et lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé sur des feuilles de palmier, au point d'avoir affecté les flancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des marques sur ses flancs, sur ses côtes. Omar s'est mis à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: que t'arrive-t-il? Il lui a dit: voici le roi des Perses, le roi des Romains, qui ont les rivières qui coulent sous leurs pieds, qui ont toutes les richesses. Et toi, tu es meilleur qu'eux et tu es le meilleur de la création, et voici ce que tu possèdes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: voici les gens qui sont partis avec leur part de ce bas monde. Comme dans le premier verset qu'on a récité. Ils ont voulu la donner, ils ont eu une part dans ce bas monde. Ne serais-tu pas satisfait, ô Omar, que ces gens-là partent avec la dunya et que nous, nous obtenons l'au-delà? C'est ainsi que doit être le croyant. Son ikhlas, sa sincérité doit le pousser à construire son au-delà. Et n'oublie pas ta part de la dunya. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on se conseille de ne pas oublier sa part de l'au-delà. Tu fais da'wah aux gens juste pour qu'ils fassent la salat. Ils font que de travailler. Alors que les gens, puis on leur dit: n'oublie pas ta part de la dunya. C'est-à-dire qu'ils sont tellement occupés avec l'au-delà qu'on doit leur rappeler cette dunya. Prends quand même un minimum. Hein? Prends quand même un minimum. Tu te maries, tu fais des enfants, tu vis, tu prends de l'argent, préserve ta santé, tu peux manger de bonnes choses, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on doit rappeler aux gens pieux. Mais nous, à notre époque, on nous rappelle de ne pas oublier pourquoi on a été créé, subhanallah. De ne pas oublier le Jannah, de ne pas oublier le retour vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Aïcha radiallahu anha fait égorger une bête, propage, offre cette viande à différentes personnes et s'oublie elle-même. Et lorsque Barira radiallahu anha, ou si je me souviens bien de son prénom, sa servante, lui dit: mais tu as jeûné, pourquoi est-ce que tu n'as pas gardé une part pour toi? Elle lui dit: si tu me l'avais rappelé, j'en aurais gardé une. Et elle s'est oubliée elle-même alors qu'elle jeûnait. Comme à son habitude, radiallahu anha, elle coupe son jeûne avec un peu d'eau et du pain. Ces gens-là, on leur dit: n'oubliez pas votre part de la dunya. Allahu musta'an. Et pour les meilleurs d'entre nous, on nous dit: n'oublie pas ta part de l'au-delà. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il y a une khutbah et ou aussi une muhadara du frère Sadaq Wafakahullah qui est sur le site La Voix Droite, je vous la recommande. Sur El Rafla, sur le fait d'être distrait et la gravité et les répercussions néfastes que ça apporte aux serviteurs dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah Musta'an. Je vais moi-même l'écouter, Inch'Allah, afin d'essayer de me soigner. Mais je vous recommande de l'écouter vous aussi. Cette personne est tellement inconnue et ne recherche tellement pas les éloges ni la renommée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en disant: In ista'zana lam yu'zan lah wa in shafa'a lam yushafa'. Pourtant, s'il demande une permission, malgré sa grande piété, malgré le grand sérieux qu'il a dans la mise en pratique de ce qu'on lui donne comme responsabilité, malgré tout ça, s'il demande une permission, elle ne lui est pas accordée. S'il demande à entrer chez la noblesse, chez le gouverneur par exemple, ou chez les grandes personnes du pays, on lui refuse. Pourquoi? Personne ne sait qui il est. Il n'est pas connu, il n'a pas de renommée, il n'a pas de place en apparence. Mais sa place, Inch'Allah Azza wa Jal, elle est lourde et elle est grande et élevée. Et s'il intercède en faveur d'une personne, donc s'il veut apporter un bien à quelqu'un, intercéder en faveur d'une personne pour qu'il obtienne un bien ou pour essayer de repousser de lui un mal par la permission d'Allah, on lui refuse cette intercession. On lui refuse cette intercession. Voici l'état de celui qui s'est détourné de la dunya et qui n'a comme but que de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'il utilise dans la dunya, c'est pour construire son au-delà. Certaines personnes sont entrées chez Abu Dhar ou bien un autre parmi les sahabes. Ils ont trouvé une tasse
une marmite et un récipient. Alors, ils ont demandé à lui, à son épouse, « Aina mata'ukum ?»« Où est votre vaisselle, vos meubles ?» Et ainsi de suite, l'équipement de la maison. « Faqal fiddar ?» On les a envoyés dans l'autre demeure. Après, on leur a demandé, « Mais quelle autre demeure ?» Ils ont dit, « Nabni jannatana, le paradis. » Subhanallah. Que veut dire cela? Ils sont entrés chez eux, ils n'ont rien trouvé. Je dis, c'est bizarre. Est-ce que vous allez partir, vous déménagez? Où sont vos affaires? Ils ont dit, dans l'autre demeure, c'est-à-dire ce bas monde-là. On ne veut pas y rester. Donc on est occupé. Nous n'avons pas le temps de construire ce bas monde, on construit l'au-delà. C'est pour ça qu'on a une chose pour faire à manger, une chose pour faire le wudu, et une chose pour maintenir les amadas, les aliments, pour garder les aliments. Voici, yani, le zuhd qu'ils avaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit Abdullah ibn Omar ou bien un autre en train de réparer quelque chose de sa maison, d'accord, comme s'il y a une petite brèche ou une petite ouverture, et il est en train de travailler son toit. Le prophète sallam s'arrête, le regarde et lui dit ma ara al amr illa ajala min dhalik. Et il part. Il le regarde en train de faire cette action qui est pour nous banale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je vois que l'ordre, que l'histoire est bien plus rapide que ce que tu fais. C'est-à-dire que tu répares ta maison, mais très proche de toi, la mort, la rencontre avec Allah azza wa jal, il te faut penser à la préparation de ton au-delà. Alors que ça, c'est une chose, subhanallah, c'est yani ta maison. Pas une deuxième maison, une troisième maison, un étage, ainsi de suite, non. C'est des choses qui pour nous seraient primaires. Mais c'est une tarbiyah, c'est une éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Abdullah ibn Omar. Et n'est-il pas celui qui disait par la suite, prends de ta vie pour ta mort. Ou plutôt lorsque tu arrives au matin, n'attends pas la nuit. Et lorsque tu arrives la nuit, n'attends pas le matin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par l'épaule et lui a dit, soit dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou un passant. Il a été affecté par cette nasiha. Nous sommes arrivés, nous avons dépassé la moitié de Kitab Tawhid. Combien d'ahadiths nous avons lu? Beaucoup. Est-ce qu'on a véritablement changé? Est-ce qu'on connaît vraiment Tawhid et que ça se voit et ça s'est répercuté dans nos paroles, dans notre cœur, dans nos actions, lorsqu'on est éprouvé dans notre endurance, lorsqu'on comble de bienfaits dans notre reconnaissance, lorsqu'on tombe dans un péché, dans la demande de pardon, est-ce que véritablement ces ahadiths ont eu un impact sur nous? Abdullah ibn Omar, deux phrases. Ça a changé sa vie. Omar ibn Khattab, un hadith. Ça a changé sa vie. Donc lorsque tu viens dans une assise, tu dois venir avec une niya. Ta niya, c'est pas chercher de dunya. C'est pas remplir ton cahier. C'est pas dire j'ai étudié Kitab al-Tawhid avec Fulan. Subhanallah. Tu dois ressortir avec plus de tawhid dans ton cœur. Tu dois ressortir avec un changement dans tes paroles, dans tes actions, dans ton comportement, dans tout. Au point, ça se répercute chez toi. Lorsque tu sors d'un cours de Kitab al-Tawhid, tu dois être meilleur avec ton épouse, tu dois être meilleur avec tes enfants, tu dois être meilleur avec tes parents. Même les animaux ressentent du bien de toi lorsque tu sors d'un cours de Kitab al-Tawhid. Même les arbres, même la végétation, même ta voiture, même les autres conducteurs. Tu as plus de sabr. Non? At-tawhid, ça doit affecter toute chose. At-tawhid, de par sa lourdeur, de par sa grandeur, de par sa puissance, s'il avait été révélé, le Coran, s'il avait été révélé sur une montagne, ça l'aurait détruit. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Là, c'est une montagne. Ton cœur, n'est pas plus dur qu'une montagne. Comment se fait-il que ton cœur ne se fende pas devant la lecture de ce Coran, devant l'écoute de ces hadiths? Donc ce chapitre, on en a grandement besoin, particulièrement ceux qui étudient. Les gens pensent que ceux qui ont le plus besoin de l'ikhlas sont les awam. Wallahi, que l'alim a plus besoin de l'ikhlas que l'ammi. L'étudiant a plus besoin d'ikhlas que l'ammi. La personne
de la population qui n'a pas grande connaissance dans la religion. Donc lorsqu'on se déplace, on ne doit pas oublier cette base. El-Ikhlas. Pourquoi est-ce que tu viens? Pourquoi est-ce que tu viens au Mesdi? Pourquoi est-ce que tu t'assois? Pourquoi est-ce que tu te lèves? Pourquoi est-ce que tu lèves la main? Pourquoi tu réponds à la question? Et pourquoi tu parles? Pourquoi tu donnes secours? Pourquoi tu ne donnes pas secours? Pourquoi tu écris? Pourquoi est-ce que tu prends ton stylo? Pourquoi tu as acheté ce cahier? Pourquoi est-ce que tu es là? De manière plus générale, pourquoi est-ce qu'on a été créé? Tout le monde est capable de répondre avec sa langue, mais est-ce que ça se voit sur toi? On a tous mémorisé le verset. D'accord. Ensuite, où sont les effets? Où est la pratique? Une épreuve, il n'est plus au masjid. Une épreuve, il se rase la barbe. Une épreuve, il agresse tout le monde. Une épreuve, il insulte. Une épreuve, waqah. Ça c'est tawhid. Athar al-tawhid, c'est pas ça. Athar al-tawhid, c'est comme la montagne. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, elle ne bouge pas. Amma, celui qui n'a pas de tawhid, il est comme la feuille au vent. S'il reste accroché à l'arbre, alors c'est une ni'ma azima jiddan. Hein? S'il reste accroché à l'arbre lorsqu'il y a un léger vent, alhamdulillah, khayr azim jiddan. Hein? Mais en général, que se passe-t-il? Avec un léger vent, la feuille tombe. Avec un léger vent, la feuille tombe. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la succession des saisons. Et toi qui as traversé cet endroit, peut-être ce bois où tu n'as vu aucune feuille, aucune fleur, tu repasses ensuite et qu'est-ce que tu trouves? Tu en vois partout. Bah de la même façon, Allah Azza wa Jal fait avec ton cœur si tu reviens vers lui. Si tu soignes ton cœur, si tu reviens au Coran, si tu reviens à la Sunna, si tu délaisses les péchés, si tu reviens à l'Ikhlas, si tu apprends qui est le prophète sallam pour le suivre, si tu apprends ta religion, pourquoi? Pour adorer Allah Azza wa Jal. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, pourquoi on fait talb'in? Pourquoi on fait talb'in plutôt, sans l'allongement? J'ai tendance à beaucoup faire cette faute-là. Tant qu'on n'a pas compris, tant que nous n'avons pas compris pourquoi on étudie, ben on n'aura pas les effets recherchés. On n'aura pas les effets recherchés. Il étudie, il dit mais mon cœur est toujours comme ça. Il étudie, quand il a un problème, il ne passe pas. Il étudie, mais il est encore orgueilleux. Il étudie, mais il insulte les ulama. Subhanallah, où sont les effets du ilm sur toi? Il étudie, il opprime ses enfants, il opprime son épouse, il ne respecte pas ses parents, il délaisse les salawats. Pourquoi ces études alors? Est-ce que la solution est le délaissement de l'étude? Non, la solution c'est tasihul niyyat. C'est de corriger les cœurs, de soigner les cœurs. Comment est-ce que tu vas soigner ton cœur? En ayant la certitude que ces créatures-là ne peuvent rien pour toi. Ne recherche pas les éloges. En ayant la certitude que demain tu vas mourir, tu vas revenir vers Allah Azza wa Jalla, il n'y a que lui qui peut te faire entrer au paradis, que lui qui peut te sauver de l'enfer. Donc sois sincère. En ayant la certitude que si tu cherches que ce bas monde-là, tu n'auras que ce qu'Allah t'a écrit. Pas plus. Et dans l'au-delà, tu n'auras rien, si ce n'est l'enfer. Donc voici un conseil que je m'adresse à moi-même en premier, et j'en ai probablement plus besoin que vous tous. Puis, à vous mes chers frères, fillah, wafaqanallahu wa iyyakum lima fi salahina fi dunya wal akhirah. Allah Azza wa Jal nous réforme et nous accorde ce qui est bon pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà. L'auteur rahimahullah ta'ala a cité ce hadith dans lequel on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé ce mada en deux parties. La première partie, celui qui ne recherche dans ce bas monde que la dunya, au point de se rendre esclave de celle-ci. Il a recherché ce bas monde au dépens de l'au-delà. Il a utilisé l'action de l'au-delà pour obtenir de sa dunya. Il s'est donc humilié, devenu esclave d'elle. Au point où lorsqu'on ne lui donne pas, il se révolte contre le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, le sage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre lui qu'il n'obtienne pas la réussite. Et lorsqu'il se retrouve dans un problème, qu'il n'en ressorte jamais. Comment est-ce qu'il pourrait s'en sortir alors qu'il a coupé la relation qu'il doit avoir avec Allah et a lié cette relation qu'on a avec Allah avec la dunya? Donc ce dernier va invoquer, il ne sera pas exaucé. Puis, on nous a cité l'état de celui qui a compris pourquoi est-ce qu'il était dans ce bas monde. Il utilise l'action de ce bas monde à la recherche de l'agrément de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il s'est donc montré sincère à lui la bonne nouvelle. Dans ce bas monde et dans l'au-delà, il aura les meilleures choses.
L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre, car on y voit ذَمُّ الْعَمَلْ لِأَجْلِ الدُّنْيَا وَمَدْحُ الْعَمَلِ لِأَجْلِ الْآخِرَةِ. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre, car ici on adresse des reproches à celui qui n'a d'autre but si ce n'est ce bas monde, tout comme on adresse des éloges à celui qui a utilisé ce bas monde pour construire son au-delà. Donc c'est vraiment en concordance avec l'intitulé du chapitre. ما يستفاد من الحديث فضل التواضع ذم الترف والتنعم. Ici, on nous montre le mérite qu'il y a dans le fait, d'être humble, d'être modeste. Dans un hadith, on voit par exemple, ça c'est ignoré de beaucoup d'entre nous, le fait de ne pas se peigner tous les jours. Le prophète a dit de ne pas se peigner tous les jours. D'accord ? Ou de se laver les cheveux tous les jours. Alors que certaines personnes, si elles ne se lavent pas un jour ou si elles entendent que quelqu'un ne s'est pas lavé un jour, pour elles, c'est un crime. Hein? Alors que Sahaba, ça n'est pas rapporté qu'ils se lavaient tous les jours. Et pourtant, ce sont les gens les plus propres, les plus pieux, les plus propres de cœur et de corps. D'accord? Certaines personnes, s'ils ont de la poussière sur leurs pieds, ou une tache sur leurs vêtements, ils ne peuvent pas sortir. Pour eux, c'est la plus grande honte. Alors qu'ils tachent leur cœur et leurs actions et leurs feuillets, de jour comme de nuit, ils n'ont aucune honte à sortir. Si tu avais une grosse tache, une grosse impureté sur un kamis blanc, tu aurais osé sortir devant tout le monde? Hein? Tu n'aurais pas osé. Comment se fait-il que tu oses sortir avec pire que cela, sans te soucier de cela? Wallah musta'an, wallah musta'an. Et on fait l'éloge de celui qui recherche à travers ses actions l'au-delà. Le fait, dans ce hadith, il y a une mise en garde contre le fait de dépasser les limites dans la dunya. Le prophète sallam dit, Omar radiallahu anhu disait: Irshawshan, fa inna ni'mata la tadou. Endurcissez-vous, car certes les bienfaits ne durent pas. Aujourd'hui tu es riche, demain tu peux être pauvre. Aujourd'hui tu as une grande maison, demain tu peux te retrouver dans un petit appartement. Donc Omar ibn al-Khattab n'aimait pas ceux qui étaient faibles et ceux qu'on plaisait dans les richesses sans pouvoir avoir la capacité de supporter en cas de difficulté. Des fois tu ne donnes pas tout ce que ton fils souhaite alors que tu as les moyens de lui donner plus que ce qu'il espère dans ses rêves. Mais tu l'éduques, tu lui dis non. Pourquoi? Sinon il va penser que c'est des acquis, il va devenir faible. D'accord? Cela ne veut pas dire que tu dois être avare envers ta famille, mais ne leur donne pas tout ce qu'ils souhaitent autant qu'il y a une deux fois qu'ils le souhaitent, ainsi de suite. Parce que ça peut leur nuire. Hein? Parce que ça peut leur nuire. Aujourd'hui, tu peux trouver un homme, par exemple, c'est pas mon cas, qui aide son épouse dans la vaisselle. D'accord? C'est un khel qui lui fait. Il lui fait une fois, deux fois, trois fois, il lui fait une semaine. Le huitième jour, il ne lui fait pas, il lui dit: tu ne fais pas la vaisselle. Ça y est. Alors que tu trouves un autre qui ne fait pas la vaisselle un an, deux ans, trois ans, il fait la vaisselle une fois. Radiallahu anhu. Hein? Ça y est, oulala. Akada. L'enfant, tous les jours, tu lui achètes des cadeaux. Tout ce qu'il veut, tu lui achètes. Des sucettes, des bonbons, des jouets, et ainsi de suite. Khalas. Et yani, comment tu veux que lui ahfad le Coran, par exemple? Ou bien, il n'y a pas de viande dans le repas, il va dire, il n'y a pas à manger. Femt, khalas. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Wahakada. Donc, ça c'est une chose qui, yani, dont nous avons besoin. De s'endurcir. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous avons été gâtés, même en pensant être les plus forts et les plus courageux. Hein? Et nous, au Yémen, on voyait des enfants de 3 ans, 4 ans, l'enfant de 4 ans, il marche avec sa petite sœur, sans lampe, il fait tout noir et il marche et rentre chez eux.
Et nous, on était avec notre lampe, on regardait pas à pas. Hein, où tu poses ton pied et où tu vas poser le deuxième, et ainsi de suite. Tu vois rien. Et tu vois la ni'ma des jours de pleine lune. Sahih. Tu marches, tu peux croiser un chien en pleine nuit, tu sais pas ce que c'est. Hein, tu peux... tu peux te réveiller, mettre la lumière, voir un petit scorpion. Taïeb. Ici, il voit une mouche, l'homme, la femme, l'homme crée avant la femme. Ça y est. Où il y a une bête, ainsi de suite. Mon fils, il tue les bêtes avec sa main. Et tu vois des adultes qui ont peur. Allah musta'an. Nos parents prenaient la bête avec la grosse bête avec la main et la jetaient de l'appartement. Pourtant, ils n'ont pas étudié Aqsam al-Tawhid. Et ainsi de suite. Non. Mais ils se sont endurcis, malgré eux. Nous, on doit le faire volontairement. Nous, on doit le faire volontairement. Wallahu musta'an. Peut tirer également de ce hadith que c'est une chose louable de se renforcer, s'endurcir, car cela aide à la mise en pratique des bonnes actions. Celui qui est faible, par exemple, est-ce qu'il arrive à tenir Tarawih? Hein? Parce qu'il a l'habitude toujours d'être à l'aise, et ainsi de suite. Avoir tout son confort. Ou pour faire le Hajj, il va avoir du mal. Et une grande faïda par laquelle nous allons conclure, c'est que دنو مرتبة الإنسان فيما بيننا لا يدل على دنو مرتبة الإنسان عند الله رب العالمين علام الغيوب. La bassesse de la place ou de la classe sociale du serviteur n'est pas signe de la bassesse de ce serviteur auprès d'Allah. Est-ce que c'est compris? Le fait qu'un homme ou qu'une femme soit méprisable auprès de nous, ou qu'on ne lui accorde aucune importance, ou qu'on pense qu'elle n'a pas de place ni de valeur, ne veut pas dire que chez Allah tabaraka wa ta'ala, cette personne n'a pas une grande place. Subhanallah. Et le hadith que j'oublie et que je re-oublie, lorsque le prophète sallam est entré au marché et qu'il a plaisanté avec un sahabi, qu'il l'a attrapé par derrière, il l'a soulevé et le madha se cachait derrière lui et l'homme disait Arsil, lâche-moi. Puis quand il a su que c'était le prophète sallam, j'ai oublié de vous dire, mon ami qui est au Yémen m'a rappelé ce passage parce que c'est de sa bouche que j'ai appris ce hadith. Lorsque ce sahabi a su que c'était le prophète sallam, il a arrêté de bouger. Vous savez pourquoi? Parce que le ventre du prophète sallam était collé à lui. Alors il ne voulait plus bouger et rester en contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit, le prophète sallam en plaisantant, qu'est-ce qu'il veut l'acheter pour telle somme, hein? L'homme a dit, mais qui est-ce qui voudrait de moi au message d'Allah? Tu ne pourras rien en tirer parce que je n'ai pas de valeur. Après il lui a dit, mais auprès d'Allah certes tu as une valeur. Auprès d'Allah certes tu as une valeur. Donc ça c'est une preuve évidente. Hein? Et dans la bataille, dans une des batailles de Mu'ta, si je me souviens bien, Mada, Omar ibn al-Khattab avait envoyé une délégation. Et lorsque ils sont revenus, Omar ibn al-Khattab a donc demandé le bilan et les pertes et ainsi de suite. Et l'homme qui a fait le bilan a dit, un tel, Omar disait, où est un tel? Espère-le auprès d'Allah, ô Amir al-Mu'minin. C'est-à-dire, il est décédé, fils Abilillah, il est martyr. Où est un tel? Ihtasibuhu indallah, ya Amir al-Mu'minin. Où est un tel? Et ainsi de suite. Puis l'homme a dit, et d'autres, wa akharun, la ya'rifuhum Amir al-Mu'minin. Et il y en a d'autres. Mais Omar ne les connaît pas. Alors Omar al-Khattab a utilisé cette occasion pour rappeler l'ikhlas. Pour rappeler de qui est-ce qu'on cherche à se rapprocher. Quel est notre but? Il lui a dit, walakin. Il a dit, idha lam ya'lamhum Omar faqad alimahum Allah. Si Omar ne les connaît pas, certes Allah les a connus. Certes Allah les a connus. Et j'ai demandé à un frère de Médine qui a étudié quel est
la situation, le souvenir le plus marquant que tu retiens de Médine, de tes années à Médine, l'avait fait environ 10 ans à Médine et était beaucoup dans les assises de Cheikh Abdel Mohsin Abbel, Hafidhahullah Ta'ala. Il m'a dit trois choses. Il s'est attristé, il est resté ainsi. Ses larmes sont montées et il a dit Allah Musta'an. Tu m'as rappelé une chose émouvante. C'est qu'on était avec Cheikh Abdel Mohsin Abbel. Et un homme est venu pour lui lire un hadith. Et Cheikh Abdel Mohsin Abbad est très humble. Et il lui a lu un long hadith. C'est ce hadith que, yani la bataille, où lorsqu'ils sont revenus, Omar leur a posé ces questions. Et Abdel Mohsin Abbad s'est mis à pleurer. Il a retenu ses larmes. Et il a essayé de se lever, mais il est âgé. Il n'a pas réussi à se relever. Puis il a pleuré. Tellement ce hadith est émouvant. Inch'Allah, faites-moi penser, on essaiera de le lire. Naam, on essaiera de le lire. Si je me souviens bien, il est dans celle-ci là. الصحيحة وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمن علينا بالإخلاص في القول والعمل والصدق معا كما أسأل تبارك وتعالى وهو أكرم مسؤول الجواد الكريم أن يوفقنا إلى خير الدنيا والآخرة والعمل الصالح ويسعدنا في الدنيا والآخرة ويغفر لنا لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي واسعدها في قبرها وارفع درجاتها في الجنة مع الأنبياء والشهداء وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.